Oula. Alors attends, allez vous montrer. Elle est là, on est là. Bar, cuisinier, truc. Il y a un kleps. Des zooms. Et une femme, ok. Plein sud. Comment ça, y a un cuisinier? Ici, là, avec la bouffe. Mais non. Il est invisible alors. Tu ne l'as pas vu. Mon personnage ne l'a pas vu. Mais le joueur l'a vu très bien. Le personnage ne l'a pas vu puisque de toute façon il y a un rideau ici. Voilà. Je me suis pas fait chier à mettre un brouillard de guerre là-dessus, ça a aucune importance. Il y a un fog of war. En fait, ici quand tu rentres, il y a un mur de brouillard. Ah bah, tu vois, là on voit plus, ça y est, c'est terminé. Voilà. Je peux en mettre un si vous me faites chier vraiment. Non, ça Je me suis dit qu'on allait peut-être en passer. Non, mais de toute façon, s'il y a un rideau, une porte ou quoi, on ne voit pas. Oui, absolument. Non, clairement, vous voyez d'un coup Ça. d'œil, voilà. La salle. Tout ça là. Ce qui est dans la grande salle. Okay. Voilà. Il y a deux jeunes hommes qui sont en train de merde. Mon pointeur, reviens ici, voilà. Et là. De bouffer ici avec une femme un peu plus âgée qu'eux, qui pourrait être leur mère d'ailleurs. Il y a une femme, elle, significativement plus âgée, qui est assise toute seule. Donc ça, c'est un espèce de gros foyer. C'est pas des flammes, mais c'est une couche de braise très D'accord. très épaisse qui chauffe toute la baraque de façon très très forte et qui est probablement également utilisée pour réchauffer les Les plats plats. qui doivent l'être. Là, vous avez deux hommes qui sont assis en train de becqueter un peu aussi et de bavarder. Et là, une jeune femme qui est affairée derrière ce comptoir. C'est tous des humains? Est-ce que ce sont tous des humains? Oui, il n'y a ni elfes ni orques dans le tas, ni nains. Et il y a effectivement deux chiens également dans la salle qui sont couchés Là. à leur place, voilà. Celui-là, vous l'entendez même ronfler. Ok, d'accord. Et Ouais, ça t'a coupé, mais celui-là est couché par terre à l'angle du comptoir. Et donc elle, c'est probablement celle qui répare la nourriture. Bah, elle est derrière le bar Oui, d'une je auberge taverne. suppose. Hein. Je veux dire, au niveau de ses vêtements, ça doit faire. Et quoi Non, il y a encore? des chances que ça soit pas un assassin, mais bien une taverne. Où est la cible? Où est la cible? Ok, mais si tu me laisses diriger mon token, ça ira très bien, Snarit, on n'y a pas accès là. Je pense qu'on va Comment ça, directement vous se y avez pas diriger vers. accès? Non, Non. Ah, ils on veut sont pas liés? pas. Non, c'est possible que j'ai oublié de le faire. Ah oui. Tout ce qui sera coupé à l'édition. Ah non, ils sont encore. C'est pareil. Méchant MJ. Ils sont liés à vos anciennes fiches. Voilà. Et mieux que c'est Tout. Tout. Je suis assigné à Emlog de rester dans le coin. Hop. Moi, je me déplace, tu sais, normalement, j'ai mis. Moi, je cours au bar. Attendez, il faut que je fasse juste un petit truc préventif. Hop. Oh, large. Ça va être facile. Donc vous Là. venez vous attabler au comptoir. Oui. Et assez rapidement, la jeune femme que je vais vous montrer d'ailleurs, hein, scénario, je m'en fous. Bonjour PNJ mademoiselle, ici. nous avons fait un long voyage, aurez-vous l'amabilité de nous servir un verre? Avec la voix de ces deux charmeurs. Voilà. Alors, je tiens à m'excuser auparavant. Hein. Quand on cherche des dessins de femmes ou de jeunes femmes ou de femmes mûres sur Internet, on n'a pas 36 choix. On a le choix entre la prunelle larmoyante, le regard kawaii ou les yeux de biche. Hein.
Donc, je suis désolé, j'ai assez voté, j'ai voté le plus souvent pour les yeux de biche. Je suis désolé de vous imposer ça, mais... Ah, c'est pour ça que j'ai fait mon petit speech, là. Je voulais montrer le portrait, j'ai cliqué dessus. Oui, oui, ouais. Bon. D'accord. De toute façon, à chaque fois que tu cliques, je crois qu'on y a accès après dans les PNJ. Ouais, oui, mais j'étais, en fait, oui, voilà. J'ai fait popper la fiche, mais je me souvenais pas si j'avais cliqué. À force, c'est d'être Dilis. Ouais. Voilà. Elle a l'air assez jeune, probablement 15-16 ans. Ah. Même si. T'es de fil à rue. Elle a l'air manifestement assez mûre pour son âge. Enfin, c'est soit une femme. Je garde mon discours alors. c'est soit une femme qui a une vingtaine d'années et qui fait. Beaucoup et qui fait moins jeune, soit une jeune femme ouais, en fin d'adolescence qui fait assez mature. Ok. Deux bières, un repas et pour le mangeur de salade un lait fraise s'il vous plaît. Donc moi je garde mon grand sourire. Et... Faites-moi tous les deux un jet de charisme et sociabilité, s'il vous plaît. Ah, deux carac. Yep. Charisme. Charisme. Sociabilité. Oh putain. Il faut que je regarde mon score en sociabilité. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Je suis sociable. Ça va. Ça va. C'est honnête. Donc, charisme. Cinq. Sociabilité. Ah, on arrondit. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Totalement honnête, d'autant plus que vous la voyez plutôt attentive et plutôt de bonne humeur, manifestement. Alors, redis-moi ce que tu as dit, par contre, parce que j'ai déjà oublié. Je savais que ça se terminait par repas, mais... Moi, j'ai juste dit... Je la refais moins crispée. Bonjour, ma mignonne. Deux bières, un repas, et pour le mangeur de salade, un lait fraise. Alors, le lait fraise, je sais pas ce que c'est. Vous me servirez une bière aussi. Et puis, je sais, je regarde Kien avec un sourire, genre, oui. Merci. Merci de toi. Elle te regarde tranquillement, elle te dit oh, oui, merci pour ma mignonne. Moi, c'est le contenu des bourses que je te trouve mignon. Oui, mais dès que tu me diras combien ça fait, ta gueule, ça dépend combien ça fait, moi je sors ce qu'il faut, rien de plus ni moins. Eh ben écoute, deux bières, donc ça fait trois bières, un repas. Non, deux bières, un repas. L'autre il paye sa part, hein. Il veut pas de moi les fraises, il paye sa part. Hein. Ah bah, tu m'offres ou pas du coup? Ou est-ce que je débourse aussi? Eh ben, non, je vais payer ma part aussi. Si vous aimez la bière, vous allez être content. Celle qu'on a ici, c'est pas nous qui la faisons. Elle est importée directement du Mornemont. C'est les nains de là-bas qui nous fournissent. Ah, enfin, boire des vraies choses. Ah, des boissons d'homme. Par contre, c'est pas de la pisse d'âne. Hein. Du coup, c'est la pinte, elle est à 5 pièces d'argent. Ouais, donc ça fait 2 pintes pour moi, ça fait 10. Et le repas, il est à combien? Le repas, il est à 5 pièces d'argent aussi, si vous voulez quelque chose de correct. Et ça ira. Les deux bières, c'est pour toi, on est d'accord, hein. Oui. On va oublier le lait fraise, c'est ça que t'as dit. Et vous me servirez une bière et un repas aussi, s'il vous plaît. Bah, y a pas de souci. Enfin, j'ai du lait aussi, hein, si vous voulez. J'ai oui. Même de l'hydromène ou du vin de prune. Mon cher ami est, comment dire, un humour assez spécial, si vous savez. Humour. Ça se voit que c'est pas toi qui paye, hein. 15, voilà, 15 pièces d'argent. Vous êtes dans une taverne ici. L'humour spécial, c'est un peu la spécialité des murs. C'est la maison qui régale à ce niveau-là. C'est offert par la maison, l'humour à la con. Oui, Du coup, on s'enlève la pièce, c'est ça? Non, tu les gardes. Si tu veux pas manger, tu les gardes. Hein. Donc, oui, vous la voyez qui se déplace vers les fûts. La bière, c'est pour tout de suite. La bouffe, je vais voir avec les custos, mais
Vous devriez avoir le temps de finir tranquillement de vos bières avant qu'on vous apporte à bouffer. Ragout de chou, panais et lardon. Parfait. Ça vous ira très bien. Oui. Très appétissant. C'est de la bouffe qui est totalement décente. Hein. Ça se laisse manger. Pour le coup, les 5 pièces d'argent, ça correspond à peu près à la qualité du repas, quelle que soit la location, si on ne paye pas les prix. 5 pièces d'argent pour une pinte de bière, c'est cher. C'est pas cher. Pour un truc de campagne, c'est cher. Voilà. C'est de la bière naine, c'est pas cher. Mais après, attends, on goûtera. Tu vas l'acheter chez les nains, tu la payes 10 fois plus cher. Et si en plus t'as les oreilles pointues comme l'autre à côté, là, tu la payes 20 fois le prix. Mais oh, il est vraiment après avec moi, lui. Moi, j'essaye de, quelques petites blagues sur les nains, et pas trop, tu vois. Lui, c'est non, attends, vas-y, le mangeur de salade, et vas-y, le lait de fraise. Mais c'est pas envers tous les elfes, c'est uniquement toi. Ouais, j'ai l'impression aussi, oui. C'est pas du racisme, non, c'est juste de la sociabilité, ça s'appelle. Tu vois, c'est comme sociabilité, mais tu mets un A devant. Voilà, moi elle revient devant vous. Vous avez posé les pièces sur le comptoir avant qu'elle rapporte les bières. Ça va pas, non ? Oui. Je les ai sorties, mais si elle ne tend pas la main, je lui donne pas. Hein. Tu les as sorties ? C'est tout ce que je voulais savoir. Elles sont dans ma main. D'accord. Elle pose les bières devant vous. C'est bon, je lui donne dans la main. Voilà, les 10 pièces ici, paf. Il n'y a personne qui doit savoir le contenu de ma bourse à part moi. Non, mais c'est... tant qu'elle voyait les pièces, voilà. Ah oui, je lui montrais que j'avais des pièces, mais je n'ai pas donné. Je paye à ce moment-là, moi. C'est paiement quand le service est accompli, pas avant. Non, voilà, tu mets pas les pièces sur la table avant, quoi. Pas de soucis. Dans la main, l'argent, ça traîne pas. Ouais. Elle ramasse les pièces, elle en fait sauter une en l'air, elle fait un demi-tour. Buvez tranquille, posez-vous qui vous voulez, je vais prévenir le cuistot. Il est très bien mon cul là. On va cela, on va pas vers le feu. Il passe dans l'arrière-salle. Ça dépend, t'as les fringues humides toi ou pas? Un petit peu quand même. Alors on va se poser là, non? C'est mieux. On aura chaud, moi. Non, moi j'aime bien être au comptoir. Va là-bas si tu veux, tiens, va discuter avec mémé. Ouais, voilà, je vais là. Moi je reste avec mes bières en train de discuter avec elle. Et je vais pratiquer le sport national des nains. Je fais un signe de la tête en. Comment dire, en levant mon bras avec la bière vers la jeune femme. D'accord, écoute, je vais te la montrer également. Elle, c'est pas une jeune femme. Si comme ça, c'est compliqué. Oui, mais c'est pour ça que je la montre. Ah ok, oui. Vu comme ça, c'est mieux. Voilà. Enora, du coup. Voilà, sauf que tu connais pas encore son prénom. Vous connaissez même pas le nom de la barman, d'ailleurs. Non, c'est pour ça que je lui ai pas dit. J'ai dit bonjour, j'ai pas dit bonjour, bonjour ma mignonne, voilà. Je m'appelle mignonne. Qu'il est un jet d'attention. La vieille femme, vieille, ouais, elle doit avoir entre 60 et 70 ans par là, sourit tranquillement, elle a un bol entre les mains, ça a l'air d'être un genre de soupe encore fumante. Qui me parle? La bière. Manifestement, en fait, il regarde sa bière, genre. T'as vu Homer Simpson? Pareil. Yeah. Et t'en as deux? Oui, pour chaque main. Voilà. Donc, la vieille femme répond à ton salut avec un sourire très, très. Très, très spontané, très, très agréable. Elle te dit tranquillement bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Il fait beau ici. Franchement, il a plu ces derniers jours. C'est des discussions bidon de taverne, quoi. Bah écoute, quand t'arrives comme ça, tu peux pas dire autre chose. Hein. J'attends qu'il vienne bourrer. Tu veux que je te dise ce qui va se passer? C'est par là, ils vont pas aimer les nains. Ou alors c'était ceux-là. Ouais, on verra. Du coup, ouais, je bois tranquillement. Et si je vois qu'elle veut engager une discussion, pourquoi pas, quoi.
Je parle d'elle, hein, pour l'instant. L'autre, elle est affairée. Oui, non, il y a pas de souci. Puis Elle je fais est. gaffe à Emiog, hein, parce qu'avec les autres chiens, bon voilà, on sait jamais. Il est dressé, mais. Je voulais vérifier. Il Ça reste quoi reste un dans le chien. livre de. Attends. Feuille de perso, parce qu'on a picolé avec le. T'avais enlevé tes doses, je crois. Oui, mais je veux savoir s'il en reste assez. Il m'en reste. Non, j'avais oublié d'en enlever, tu vois. Donc. De quoi? J'ai pas capté ce que t'as dit. Il Je gère son parle à ma. inventaire. Ah Je ok, gère ton mon inventaire. alcool. Il me Ah reste oui. 3 gorgées, donc ça sert à rien que je range la bière dedans. Non, pas trop. Et. C'est la bière de ranger ta chope. Ce serait un peu du gâchis le mélange, je pense. Oui, Ça. voilà, c'est pour ça. Tant qu'il en reste, ça va. Dès qu'il n'y en a plus, attention les dégâts! Non, Emiog, il est bon, il fait sa petite routine habituelle, quoi. Chaque Ouais. fois qu'il rentre dans un nouvel endroit, c'est-à-dire il va flairer un peu partout comme ça, il regarde un petit peu du côté des chiens qui sont allongés sans trop s'approcher, parce qu'il sait pertinemment qu'il n'est pas chez lui avec ces chiens-là. Par contre, le sont probable très probablement chez eux, donc Oui. il sait d'instinct qui voilà qui Ces chiens, les deux, tu veux dire, du coup, probablement. Là et là, il y a des chiens. Il y a Ouais, ils deux se ressemblent chiens. beaucoup parce que bon, c'est vrai que c'est le même. Oui, c'est la même race de D'accord. chien. Ok, c'est juste Tu pour peux savoir, hein, me au cas où. faire un jet d'éducation si tu veux. D'accord, je vais faire ça. Éducation seule. Éducation seule. Ok. Tu as droit à ton plus 5. Oui, exact. Plus 5, du coup, je le mets pas, hein, on compte. Tu le mets dans mon modificateur si tu veux. Ouais, ça sert à Directement. ça, quoi. Ça. Voilà. Moins 14. Moins 14. Qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus? Que ça fait partie des. Ça a le gabarit chien de garde. Ouais. Voilà. Pas Donc, chien probablement d'attaque. du de la taverne, quoi, en gros. Ils sont attitrés dans une Pas maison. chien d'attaque, pas des molosses, voilà, des Une bons bonne petits bête. chiens, voilà, des bons petits Un chiens peu de comme le garde. chien de comment il s'appelle De déjà? Broga, ah non, le chien de Broga, Broga, non? c'était un molosse, Ouais, il était plus gros, quoi. c'était un D'accord. veau, ce truc-là. Oui, ça, c'était le C'était. gros. Oui, exact, oui. Non, Oui. c'était clairement un veau. Non, ces Ouais. chiens-là sont plus un petit peu plus massifs qu'Emiog, qui a le, mais ils font à peu près la même taille. Voilà, D'accord. c'est tout juste que ton chien est plus effilé, voilà, et un petit peu plus gracile, on va dire. C'est un chien qui est très très rapide, qui est très très agile, mais qui est pas forcément massif. Oui, c'est sûr. Ceux-là sont un peu plus costauds, mais ils font globalement la même taille. D'accord. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, toi. D'accord. Oh La là. vieille femme a exactement la même attitude que toi, c'est-à-dire que elle boit tranquillement sa soupe par petite rasade. De temps en temps, elle jette un œil vers toi. Elle a pas spécialement l'air d'avoir envie spontanément d'engager la conversation, mais tu sens que si tu adresses 2 3 mots, elle te répondra sans problème. Voilà. La Je même peux essayer de demander attitude. quelque chose. Ouais. Et Myog finit par venir à côté de toi, se coucher à la Une chaleur du fois que brasier. Myog me rejoint, je vais demander est-ce que ça vaut le chien à côté? Non, ce sont les chiens de l'auberge. D'accord, très bien. L'auberge a Ça été coupe à. encore. Mais c'est pas grave. Ah, excuse-moi. Ouais, des fois ça coupe, c'est vrai que c'est juste 2 3 mots, quoi, mais du Ouais, coup bah, j'ai pas. hésite pas à me le dire. Je. Ouais. Voilà, je. Je sais pas si c'est Discord ou Je. si c'est. C'est Pas. peut-être mon. Ouais. L'activation de mon micro qui se fait un peu basse, je sais pas. Peut-être que ça Du vient de coup, Discord. vas-y. Reprends. Elle te dit que. Non, c'est les chiens de l'auberge. Ok. L'auberge a été à moi il y a quelques années, mais je l'ai revendue. Je suis plus tout à fait assez gaillarde, hein, pour m'en occuper pleinement. Je comprends. Du coup, vous connaissez la jeune demoiselle qui est aux cuisines? Dilys, oui, bien sûr. C'est à ses D'accord. parents que j'ai revendu l'auberge. Ah, ok. Oula.
Qu'est-ce qui... Je picole. Ah. Je picole et je te regarde faire ton... Quoi? Voilà, je me socialise. C'est un elfe qui sort de prison. Quoi. Il a pas vu une femme depuis... Fou. Oula. Par contre, Kylen, là, je retourne vers toi et je te montre... Toi, tu vois rien. Toi, t'es dans ton coin et il y a un mec qui vient à côté de moi. Oui, voilà. Moi, tu l'as remarqué. Attends, oh là Kylen là. Avait raison. Kylen avait raison, ça tombe. Oh là. Oh là là, mais qu'est-ce que tu veux? Fait... Moi, rien de spécial. Je suis juste curieux. Vous avez pas l'air d'être un gars d'ébranlement. Et on voit pas. Je suis un gars de partout et de nulle part en même temps. Et quand je suis en pleine discussion comme ça avec de la bière, faut pas trop s'approcher sans prévenir. Il n'y a pas de souci, je te laisse boire, garçon. C'est bien, merci. Aril, tu peux remarquer que l'autre mec qui était à la table avec celui qui vient de se poster à côté de Aril, s'est rapproché également du brasier et s'est assis, pas directement à côté de toi, mais sur un voilà, exactement à l'endroit où il est. Il a l'air de profiter juste de la chaleur des des braises. Sublime voix off, seigneur intense. Le mec à côté de moi, il a une arme sur lui? Oui. Il a quoi? Alors, je vais te le montrer également, celui-là. Parce que c'est pas que j'ai pas confiance, mais s'il veut me piquer ma bière, ça va dégénérer. Ouais. Mudal. Petit carquois, petite armure de cuir. Alors, c'est pas à proprement parler une armure, mais c'est des vêtements de cuir. Oui, oui, oui. Voilà, des vêtements de voyage, mais résistants, qui peuvent faire office d'armure. Ce serait considéré comme un cuir souple, à titre indicatif. Et il a un sabre à la hanche. Un sabre type sabre de cavalerie. Enfin, est-ce que je le remarque d'ici? Parce que est-ce que c'est voyant, quoi. Toi, tu remarques que t'es en train de discuter et occupe-toi de ta discussion. J'ai remarqué aussi l'autre gars là. Donc... Oui, mais l'autre gars, justement. L'autre gars, par contre, lui, je dois pas avoir avoir d'image. Tu peux voir rapidement nous l'écrire. Ok. Ouais, il est plus imposant, je dirais, non? Oui, il est un peu plus massif, celui-là. Celui qui discute à ta table, Kylen, c'est un homme qui doit faire un gros 1m70, 1m80, par là. Oh, ça va, je lui arrive au nombril, quoi. Manifestement en forme. Exactement. Celui-là est nettement plus proche des 1m90. Il a manifestement, quelques kilos superflus. Il a l'air plutôt costaud, il a pas un peu joufflu mais pas trop empoté. Il n'est pas armé. Vous pouvez remarquer tous les deux sur chacun de vos vis-à-vis une épingle qu'il porte. Alors lui à la bandoulière harnais qui lui traverse le torse, et lui au col de sa chaîne, de sa chemise, quoi, une épingle qui à la même forme que le motif en devanture du gros bâtiment, c'est-à-dire un fer à cheval qui est posé en travers d'une paire de fontes. Ok. Moi, je m'accoude. Tu vois, je fais quart de tour vers lui et je m'accoude au comptoir, ma bière dans la main gauche. Je le regarde. Et je fais. Vous êtes d'ici vous aussi ou en voyage comme nous? Non, moi je suis d'ici, moi. C'est moi qui gère le relais. Ah!
Parce qu'on a débarqué sans connaître la région, on va dire. On a eu un petit accident de trajet, comme d'habitude. Hein. Comme dans tous les voyages, il y en a toujours un qui se retrouve sur le bas-côté. Ben là, c'était nous. Et on n'est pas du coin. Oui, c'est pour ça que j'étais un peu curieux. On cherche pas... Comment on va dire ça, gentiment? Et on cherche pas l'embrouille. Moi, j'ai faim et j'ai soif, c'est tout ce que j'ai. Je dis ça parce que je vois le pic à brochette à la taille. Tu me refais un petit jet de charisme et de sociabilité, s'il te plaît. Oh oui, monsieur. On pense là, moi, je suis en train de discuter avec la vieille dame. Bien, monsieur. Charisme et sociabilité. Mouip. Oh, ça va, ça va. Je suis charismatique et social. 50. Pour une fois. Au maximum. Maximum. 50. Je peux pas être plus sociable que ça. 40... Non, je me trompe. 56... Ok. Merde, c'était pas la sociabilité, c'était l'empathie. Tu veux dire ça? Non, non, c'était moi. Je regardais le jet que j'ai fait. Le jet caché. Il hoche la tête. Là, ce que tu viens de lui dire a l'air d'avoir répondu à sa curiosité. Il dit c'est exactement ce dont j'étais venu m'assurer.